Salut tout le monde, c'est Silariel. Alors aujourd'hui je vais essayer pour la toute première fois One Late Night. Donc en fait on a un employé de bureau qui termine assez tard sa journée. On est censé être seul dans les locaux mais apparemment c'est pas le cas. Donc il paraît que c'est assez effrayant et bon bah je viens faire mon point de vue. Allez c'est parti. Didadidadu. Alors, how to play? LMB, left mouse button. Ok. Quel accent incroyable. Bon bah, c'est parti. Alors, genre, si j'ai envie de me cacher. Ok, c'est un clic et... Il y va tout seul, comme un grand, c'est merveilleux. Et si je veux sortir, c'est espace. Alors... Ok, le mec d'un seul coup a disparu et il a arrêté de venir au boulot. C'est rassurant. Ok. Est-ce qu'il y a une machine à café ici? Non. À vrai dire, il n'y a rien du tout. Ça, c'est le bruit d'un bon café qui m'attend. Ils peuvent pas les fermer leur porte. Là, c'est davantage rassurant. Je sais même pas ce qui m'attend et j'angoisse tout seul, quoi. On va boire un café. Je ferais mieux de retourner au travail. Je peux pas le boire mon café là? Non, je peux pas le boire. Bon bah je retourne au travail et j'y vais en courant parce que je suis quelqu'un de très courageux. Qu'est-ce qu'elle me fait? C'est vachement rassurant ça. Ah la vache. Oh la vache. Oh la vache. Non. 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 Qu'est-ce qu'il veut lui? Oh la vache. Oh. Bon. Que de la frime. Que de la gueule. Oula. Attention, j'ai sorti mon stylo, ça rigole plus.
Mais je peux sortir. Pourquoi je joue à ce jeu déjà? J'ai même pas bu mon café. Oh, j'ai cru voir un bras quoi. Oh, la parano. C'est qu'une super ambiance. Oh, oh putain, c'est quoi ça? Des portes, ça s'ouvre pas tout seul. Je suis vraiment obligé d'y aller? Allez, je vais gentiment refermer la porte. Voilà. Voilà. Quoi? Ah putain. Je suis sûr qu'il faut que j'aille dans les chiottes en plus. Pour continuer de me pisser dessus. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça avec son stylo, lui? Le mec, il doit être aussi stressé que moi. Bon, on ouvre courageusement la porte. Ah la vache, je m'attendais à voir quelqu'un quoi. Bon bah y a personne aux chiottes. Y a personne aux chiottes. Personne. Et personne. Bien, n'aie pas peur. J'ai juste un stylo. Un petit autographe, ça te dit pas? Allez, je suis sûr qu'un autographe, ça te branche. J'ai courageusement enfermé dans la salle de réunion. C'est quoi ce bruit? Oh putain! Non, salle de réunion, mauvaise idée. Oh la vache. Ouais, peut-être un truc à faire ici. Ok. Ça, c'est ce qu'il fallait que je fasse. Et apparemment, c'est chi, donc c'est une meuf. Et je peux m'attendre au pire. Et apparemment, la lumière, c'est sa faiblesse. Donc, bah, je reste dans un truc ouvert et elle viendra jamais. Ok. Hop, 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 hop. Oh là là, à chaque fois, je vais me faire avoir par les sons décalés, quoi. J'ai besoin d'un bon petit café. J'ai eu assez de café pour le moment, mais t'as pas bu. Non, moi, je suis comme ça. Tiens, la pizza. Tiens, tiens, tiens. Se cacher dans le frigo. Pourquoi il y avait ce cacher? Alors si on peut se cacher dans ce genre de trou à rats, je m'attends au pire. Sortie de secours par là-bas. Ils sont sérieux, sortie de secours par là-bas. Il y en a une là-bas et une là-bas. Sortie de secours, elle est ici.
La poubelle. Je peux pas jeter mon stylo dans la poubelle. Ok, d'accord. Oh. J'ai à nouveau le cœur qui commence à battre. Non, non, non. Je crois que ça c'est pas bon signe. Quand le cœur y bat, c'est bon signe, mais pas dans ce jeu. Je m'attends à voir une tête à ce coup. Bah, je t'ai vu. En fait, c'est bidon, je panique tout seul. Je préférais carrément Slender, quoi, parce qu'au moins, je savais qu'il était là et qu'il me suivait. Oh. Bon, c'est comment ils ont financé le jeu maintenant. C'est bien dissimulé. Ok, j'ai le cœur qui recommence à battre. Pourquoi est-ce que j'ai le cœur qui bat comme ça? C'est pas du tout stressant. Ouh, c'est bon. Non mais sérieusement, je fais quoi moi? Bon, je vais retourner dans les chiottes. Tout à l'heure ça s'est ouvert, c'est peut-être genre oui, rejoins-moi, tiens. On va pisser ensemble, ça va être cool. Ah, la clé! Eh bah ouais, ok. Ouais. Ok, c'est la clé de Robert qui était dans les toilettes. C'est normal. C'est des choses qui arrivent. J'ai quand même foutu ma main dans la piste, mais à part ça. Oh putain! Mais cette salle de réunion est possédée. Je peux y aller en courant, s'il vous plaît. Pourquoi la lumière clignote comme ça? Je ne suis pas du tout, mais pas du tout rassuré. On se calme. Ça a changé ici. Ça a changé encore. C'est quoi ça? Ça? Ah ok. C'est juste mon fond d'écran. J'ai le cœur qui bat à 3000. Putain, téléphone. 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 Lumière, 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 lumière. Téléphone. Je peux pas l'ouvrir ce truc? J'ai pas confiance. Pas du tout. Oh putain. J'ai entendu frapper à la porte. Oh putain. Entrée. Hey.
Tranquille. Putain, encore un téléphone. C'est encore le même. Oh putain! Oh là là! Oula! Eh! Une chaise sauteuse. Bon, est-ce que se cacher c'est en option? Non, parce que se cacher, je le sens bien quand même. Allez, je me cache. Et en fermant la porte. Non, parce que. Waouh, mais pourquoi je me suis retourné d'un coup comme ça là? Ça m'a fait peur. Oh le con! Mais quelle idée de se retourner d'un coup comme ça, quoi! Je l'avais vu le message. Bon, est-ce qu'il y a moyen d'entrer sur le PC là? Abyss. Ah, c'est la chambre quartier là. Entrez. Leave me alone. Ça marche pas. Eh ben, j'aurais essayé. Et je sais toujours pas comment j'ouvre ce putain de tiroir. Ce bruit. Oh putain. Ça frappe. C'est quoi ça? Oh putain, ça c'est moi. Ça frappe à la porte. Et avec l'autre pouf-lock. C'est quoi ça? Elle a fait des choses très vilaines. La coquine. Ouais, enfin bon. Elle vient dans celui-là. Et sans celui-là toujours. En prenant soin de fermer derrière soi. Alors contre un esprit qui traverse les murs et qui fait ce qu'il veut, ça doit pas être fort utile. Mais psychologiquement, ça aide. Ça, c'est un bureau qui a beaucoup de travail. J'ai jamais vu autant de tiroirs vides de ma vie. Allez, on se ferme. Bon. Ça, je le referme. Peut-être un nouveau papier à récupérer ici. Là-dedans. Je suis sûr que j'ai déjà regardé de toute façon. Allez, ferme-toi, toi. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? Oh! Je me pisse légèrement dessus. En fait, à regarder, ça doit pas être bien glorieux. Il doit pas y avoir grand-chose à... Oh! C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Un putain de ballon. Un ballon. Normal. C'est quoi ce bruit? Oh! Oh! Ok! Alors déjà, moi, je trouve pas ça drôle. Parce que, depuis tout à l'heure, je me fais chier à tout fermer. Pas gentil du tout, ça c'est du mauvais esprit, ça. Franchement, foutre le désordre comme ça alors que moi je me fais chier à tout ranger,
c'est assez malvenu quoi. Le téléphone qui sonne. Et ce bruit. Je sais pas ce que c'est. Et j'ai pas spécialement envie d'aller voir ce que c'est de toute façon. Ok. Bon bah, monsieur le ballon. Oh putain! Oh putain! Ouais. Toucher au ballon, c'était peut-être pas une excellente idée. Ah la vache. Heureusement que je suis allé pisser tout à l'heure parce que là, je me serais littéralement pissé dessus. Bon, j'ai trouvé le ballon. Je peux me casser maintenant. Hein? Oui. Oh, la vache. Wow, 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 wow. C'est quoi ça? Non, 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 non. Pas gentil, pas gentil, pas gentil. Se cacher, se cacher. Cache-toi, 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 cache-toi. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je suis caché, je suis caché, je suis caché. Non. Oh. Mais je peux rien faire là. Je peux rien faire. Je suis caché, ok? Qu'est-ce qui se passe? Et ça sert à quoi de se cacher? Je comprends plus rien là. C'est quoi le délire? Oh la vache. Ok, hein? J'ai plus trop envie de jouer. Hein? C'était pas là ça tout à l'heure. Regarde mon drawer. Je sais plus ce que ça veut dire drawer. Il y a draw dessiné. Et le reste, je sais plus. Ah bah d'accord, le téléphone il est pas là. Grosse déception. La lumière est ton ami. La lumière est ton ami. Il faut l'aimer aussi. Flashlight. Ok. Là ça rigole plus du tout. Pas de batterie quoi. Et ce téléphone, il est où? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Je vais me cacher, je m'en fous. Dans le doute, je me cache. Alors ça... Ça vient très certainement de la radio dans mon bureau. Et j'ai pas du tout envie d'y aller. Mais genre, pas du tout du tout. Ouais, c'est pas drôle si j'y vais pas. Je me suis déjà bien pissé dessus. Eh, mais j'ai plus mon stylo devant moi. Allez, ferme la lumière. Ah, ça c'est genre une indication. Regarde, tu peux prendre des batteries ici. Ah ok, c'est ça.
Et puis tard. Quoi? Pourquoi est-ce que ma vue est comme ça? Moi, je veux juste trouver des batteries. Et là, il y a une radio. Elle est branchée à rien. Ça veut dire qu'il y a des batteries. Et comme je suis un plouc, eh ben, je peux pas les prendre là. Bon. De toute façon, c'est beaucoup trop simple. Si la batterie, je peux la prendre dans mon bureau. Ok, ça s'est arrêté. Et mon cœur qui recommence à battre. Alors, t'étais là-bas tout à l'heure. Pourquoi tu y es plus? T'abandonnes, hein? Ok, note pour plus tard, ne pas double-cliquer sur un objet quand c'est fermé, sinon ça va me faire stresser pour que dalle. Est-ce que je peux trouver une batterie? Je vais me planquer là, je vais me planquer là, je vais me planquer là, je le sens pas, je le sens pas, je le sens pas. Qu'est-ce que... Ah. Alors, ce bruit désagréable vient soit de... Ah, c'est ça! Je peux pas le couper! Non, c'est pas ça. Oh oh oh! Oh oh! On se cache, on se cache. Ok, j'ai la méga confiance. Non mais pourquoi mon écran il se brouille comme ça? Bon allez, c'est pas grave, je fonce. Là, c'est le moment où je prends mon courage à deux mains. Et que je fonce. Ok, le gars, il est essoufflé. Mais si la radio, elle joue comme ça, c'est pour que je puisse... je sais pas, moi... Pour... C'est un indique, c'est un indice, quoi. C'est genre... Ouais, il y a de la batterie, prends les piles. Moi, je crois que l'esprit... Ou le scénariste, un des deux, veut que je vienne ici. Ok, en fait, c'est de plus en plus de bruit. Ah, ah! Ah, la coquine, elle est apparue! Duracell pour placement produit encore une fois. Ok. And now. J'ai encore cœur qui bat à 3000. Ouais. Non, mais il se fout de ma gueule là, j'ai de la batterie et tout là. Ok. Batterie plus lampe. Pourquoi l'allumer?
Ok, on marche calmement. On recourt 2 secondes, on remarche. Il y a peut-être un petit truc spécial, quoi. Genre, elle nous attaque, on sort la lampe, on l'aveugle, elle disparaît. Je sais pas, une connerie, moi. Parce que là, je peux rien faire. Bah, je suis bloqué en fait. Ah, je suis complètement bloqué, je sais pas quoi faire. Peut-être qu'il faut deux piles. Une seule, c'est pas assez. Ça, c'est décédé. Ah bah voilà. Ah bah j'ai ramassé la pile à travers. Ah, je suis comme ça. Duracell Pro. Oh putain. Oh putain. Cache-toi, 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 cache-toi. Non, casse-toi. Casse-toi. Ah bah et. Oh, oh putain. Gentil. Non. Cache-toi, 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 cache-toi. Ah, c'est affreux. Elle traverse le truc. Ok. Elle me voit pas. Elle me voit pas. Elle me voit pas. Et moi, je vois plus rien par contre. Allez, casse-toi. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Qu'est-ce que c'est ces bruits? J'ai toute la nuit, moi. Allez, vas-y. Je demande ce qui se passe quand on nous chope. Ouais. Je sors pour voir. Allez, je sors. Coucou. Oh. Oh que tu es belle. Hop, hein? Ah. Ok. Bon, j'avoue que je suis un petit peu déçu, mais en fait c'est beaucoup plus stressant quand on la voit pas. Mais c'était une expérience assez agréable au final, quoi. Mais voilà, à l'occasion, je referai peut-être une vidéo où j'essaye vraiment, quoi. C'est parce que là, ça fait quoi? Ça fait bientôt 50 minutes que je joue. Et j'ai surtout tourné en rond. Donc voilà, à méditer. Bon, eh bien, si vous avez regardé la vidéo en entier, bah, merci à vous. Et je vous dis à la prochaine.